Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, ce que je vais dire est à mon sens tellement important que je vais commencer par ça tout en sachant que beaucoup de traders qui découvrent mon compte zap au bout de d'une minute parce qu'ils se rendent compte que c'est pas sexy ce que je raconte. Il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de, de jeunes filles ou de jeunes hommes en, en maillot de bain. Donc je veux vraiment que ce soit vu par la plupart des personnes. Donc je vais en parler tout de suite tant c'est important. Euh, si votre compte. Il ne progresse pas si vous perdez de l'argent, si cela fait des semaines, des mois, voire des années que vous ne euh, parvenez pas à faire décoller votre euh, compte. Eh bien, regardez ce qui suit et vous avez peut-être là la solution à vos problèmes. Donc, un peu de courage si vous n'êtes pas encore rentable. Il se peut que cette vidéo vous soit euh, absolument indispensable. Alors aujourd'hui, à défaut également de faire un backtest, parce qu'il y a des choses qui sont encore plus importantes que les backtests, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur la vidéo que j'ai publiée hier sur YouTube dans les commentaires. Et la question était empreinte de bon sens hein, et de curiosité saine. C'était, bah écoute, moi je veux bien Trado, mais alors combien il faut euh, risquer par trade pour... Euh, pourrait bien être dans les clous par rapport à ce que tu dis et ne pas prendre des, euh, des risques inconsidérés. Bah, écoutez, on va faire les choses ensemble parce que pédagogiquement, c'est important que vous puissiez le faire vous-même et ensuite l'adapter à votre propre stratégie. Donc, je vous rappelle la chose suivante. Je vais dégainer ici le, le graphe que je vous ai montré hier. Eh bien, c'est simple. Si vous avez, euh, on a vu hein, un taux de succès de 60%. Eh bien euh, les chiffres euh, en colonne montrent les probabilités que vous avez euh, d'avoir une succession de trades perdants. Je vous rappelle que 60% c'est pas mal. Euh, tout va dépendre de votre type de trading. Si vous êtes un trend follower, vous aurez raison 40 à 5%, 5 40-50% du temps. Si vous êtes un, plutôt un, un swing trader, vous devriez aller chercher les 60-70% de, de trades gagnants. Si vous êtes un trader de type scalper, vous allez avoir 80-90% de trades gagnants, mais il faut savoir que la logique est complètement Différente puisque lorsque vous, avez, vous êtes un scalper, vous allez très souvent avoir des ratios gain-risque très faibles, c'est-à-dire que vous êtes là pour gratter 2-3 points alors que vous risquez beaucoup plus que 2-3 points. Et euh, lorsque vous êtes un train de follower, vous allez euh, généralement viser 3-4-5 fois plus que ce que vous risquez, même si, encore une fois, tous les types de traders de trading sont. Euh, sont rentables quand on sait les, euh, les, les manier. Le tout est de savoir effectivement si vous privilégiez un nombre important de trades gagnants avec un ratio gain-risque faible, ou alors au contraire un nombre de trades gagnants plutôt faible, mais avec euh, à des, des, des ratios gain-risque très élevés. Bref, je digresse, mais voilà l'idée. Si vous êtes plutôt de type swing trader euh, classique, vous allez viser 60% de taux de réussite. Hein. Donc je l'ai dit hier, ça veut dire que vous pouvez vous attendre de manière certaine... C'est-à-dire dans 92% des cas à avoir 4 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades. Et à côté de ça, il est quand même très probable, 63% des chances, donc quasiment 2 fois sur 3 que euh, vous ayez euh, donc, euh, donc 63% des cas que vous ayez 5 trades perdants d'affilée. Autrement dit, c'est sûr, c'est sûr que euh, vous allez avoir 4-5 trades perdants d'affilée à un moment quoi. Hein. Donc les effets. Alors vous allez voir, je vais, pre je vais prendre euh, ma calculatrice, comme ça vous verrez à quel point euh, c'est facile à faire si vous êtes nul en maths. Et je ne suis pas vraiment bon en maths. Hein. Donc imaginons que vous tradiez avec 10 000 euros. Imaginons que vous décidiez de risquer 1%. De votre capital, donc ça veut dire que quand vous perdez, vous perdez euh, 1%. Il vous reste donc après un trait de perdant 9900. Imaginons que vous ayez un deuxième trait de perdant, il vous restera 9008. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Voilà après cinq traits de perdant, ce qui va arriver statistiquement, il vous reste 9509. Ok. Pas grand chose, vous avez perdu euh, un peu moins de 5%, et il suffira que vous fassiez 5% de gain, un peu plus, pour revenir à l'équilibre à 10 000 euros. Maintenant, imaginons que vous jouiez les, les têtes brûlées ou que vous n'ayez absolument aucune idée de ce que vous faites et que vous risquiez 20%, ce qui est déjà bien parce que vous savez, quand on débute, on sait même pas ce que c'est qu'un stop-loss. Hein. Donc, imaginons que vous soyez simplement tête brûlée débutante avec un minimum de bon sens. Et vous décidez de risquer uniquement 20% de votre capital. Et encore une fois, c'est plutôt bien par rapport aux débutants qui s'arrêtent uniquement une fois que leur compte a été cramé au bout de 3 trades. Hein. Donc vous prenez 10 000 et vous perdez euh, 20%. Il vous reste 8 000. Ça c'est au bout d'un trade. 2 trades, 3 trades, 4 trades, 5 trades. Voilà ce qui vous reste. Vous avez perdu 67% de votre capital dans un scénario, je l'ai dit, qui est assuré. C'est-à-dire que, je le répète, 92% de chance d'avoir 4 trades perdants, 63% de chance d'avoir 5 trades perdants d'affilée avec 60% de taux de succès. Ou alors, si vous préférez, regardez, j'ai tout repris là. Donc, on me demande... On me demande, bah, combien il faut miser. Bah, c'est à vous de, à vous, à vous de faire preuve de bon sens. À titre personnel, je pense que 1% doit être le maximum que l'on que l'on risque sur un trade. Comme ça, vous avez perdu 4,9% et derrière, vous n'avez plus qu'à faire 5,2% pour revenir à l'équilibre. Par contre, si vous avez risqué 20% par trade, et eh bien, encore une fois, et c'est inévitable, vous allez retrouver dans une situation où vous devez faire 205%. De gains pour revenir à votre capital initial. Laissez-moi vous dire que ça va être extrêmement compliqué euh, pour vous. Donc voilà, euh, j'espère que cela euh, vous éclaire par rapport à euh, ce qu'il faut faire en termes d'hygiène de, de money management et de trading. Et c'est pour ça, encore une fois, bon, forcément, je vais en parler. Si je prends simplement l'exemple que je viens de mentionner, eh bien, c'est simple. Imaginons que je trade avec 10 000 euros et que j'ai perdu et c'est le cas mes deux trades, mes deux premiers trades euh, de l'année et eh bien c'est simple. 1, 2, Voilà où j'en suis sur mon capital. OK Et euh, laissez-moi vous dire que ça ne m'empêche pas de dormir OK? Alors que si perdu si j'avais misé 20% de mon capital, Bon, c'est faux ce que je dis parce que mon deuxième trade, j'ai euh, risqué moitié moins que mon premier trade. Puis en plus, moi, je risque 0,5% de mon capital par trade. Hein. Donc je ne suis même pas ça, mais je reprends simplement l'exemple. Bon, regardez. Si j'avais risqué donc 20% au moment où je vous parle, j'en serai à moi je raconte n'importe quoi. Donc 10 000 multipliés par 0,8, ça fait un 2, je serai à 6 400. Et là je commencerai franchement à dormir euh, un peu moins bien avec un tiers de mon capital dilapidé en deux trades. Donc voilà, faites ce que vous voulez. Maintenant, évidemment, évidemment, lorsque vous lorsque vous débutez, vous dites, mais attendez, euh, imaginons que je trade avec 10 000 balles, je vais quand même pas miser aussi petit, je ne vais pas passer des heures et des heures pour euh, gagner euh, 2% de mon capital si j'ai raison euh, c'est ça n'a pas de sens oui mais encore une fois c'est prendre les choses par le mauvais bout. Une fois que vous serez bon, vous pourrez euh, envisager de faire monter votre capital si vous êtes vraiment bon et sûr de votre fait eh bien vous avez qu'à vendre toutes les choses que vous n'utilisez pas euh, vendre votre voiture et prendre le bus pendant six mois si vous voulez trouver de l'argent à moins que vous soyez vraiment euh, dans une situation euh, très difficile si vous faites partie des classes moyennes on va dire voilà vous pouvez facilement trouver euh, 10 15 20 mille euh, euros si vous vendez votre voiture par exemple moi lorsque j'ai euh, commencé ma, ma ma carrière de trader en même temps que je travaille j'ai dû faire des sacrifices et euh, oui pendant un moment je me, je me suis passé de beaucoup de choses que je pensais être très importantes mais évidemment il faut pas faire les choses à l'envers faut pas commencer par vendre sa voiture pour trader d'abord Faites fonctionner votre euh, votre trading pendant plusieurs années. Et euh, au bout de quelques années, si vous voulez euh, trouver euh, euh, du capital, trouver 5-10 000 euros, vous pouvez trouver 5-10 000 euros euh, comme, euh, comme, comme j'ai fait voilà en vous passant de choses que je jugeais essentielles et qui en fait n'étaient pas si essentielles que ça. Okay? Et euh, à partir de là, euh, ne vous focalisez pas sur ce que vous allez gagner cette première année de trading ou cette deuxième année de trading ou cette troisième année de trading. Concentrez-vous sur, sur un capital, sur un... Sur un trading sain, concentrez-vous sur avoir un money management sain, concentrez-vous sur avoir un, un système qui fonctionne, qui a l'épreuve des statistiques sur plusieurs années. Et après, vous inquiétez pas, si vous voulez trouver 10 000 euros, vous allez les, les trouver à moins que vous soyez vraiment dans une situation très difficile, ce qui existe, mais qui n'est pas euh, la majorité euh, des cas. Voilà, on repasse à l'analyse technique du CAC 40. Et donc on passe à l'analyse du CAC 40 qui une fois de plus vient provoquer les baissiers en touchant le haut de ce canal ascendant et s'enfonce encore davantage dans la résistance trimestrielle des 7400-7200. On savait que statistiquement, et eh bien suite à une étoile du euh, d'étoiles finantes que l'on a eu ici couplé, il est vrai, à une à turtle soup, Normalement, on aurait dû atteindre un objectif équivalent, au moins égal à euh, la même distance euh, que, que la clôture. Euh, par rapport au haut de la euh, bougie, c'est clairement ça voulait dire moins 0,81 au moins. Et bien là, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, puisqu'on allait chercher les plus hauts. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. C'était euh, censé fonctionner dans un peu plus de euh, 6 à 7% des cas et échouer dans 3 à 4% des cas. Et ben voilà, on est dans un cas où ça a échoué. Il est vrai que plus on attend et plus les haussiers. Prennent de l'assurance et moins les baissiers en ont. Et à chaque fois que l'on provoque une sortie euh, de trade baissier, et eh bien ces mêmes baissiers sont obligés de se racheter, alimentant du coup la, la progression. Et évidemment, tout le monde sait bien que la progression en cours est euh, intenable. Alors regardez, on a pris en l'espace de si on regarde ce qui s'est passé depuis euh, le 20 décembre, donc euh, deux mois grosso modo et eh bien on en est à plus euh, 14,6% alors que la moyenne du CAC 40 la moyenne annuelle du CAC 40 est entre 5 et 8% sans que vous preniez les dividendes ou pas bref c'est complètement intenable on peut pas ainsi faire euh, deux à trois fois la progression du CAC 40 annuel euh, en, en l'espace de deux mois mais voilà le timing il est euh, il est essentiel et là pour l'instant et moi le premier le timing et eh bien on ne l'a pas et pour l'instant ça progresse alors en plus euh, la, 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 la bougie du jour est bonne hein, parce que si on décontextualise si le mot existe tout ce qui se passe ceci est un aval moncier c'est à dire vous avez ici un, une bougie rouge qui est avalée complètement par le corps vert suivant. Ça, ça s'appelle un avalement haussier. Et théoriquement, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas fini de progresser. Alors, j'ai, euh, regardez, j'ai quelques exemples là. Là, vous avez un avalement, un avalement haussier. Bon, il y a eu un petit coup de mou, mais justement derrière, c'était la grande séquence qui était lancée. Si je vous montre un autre exemple, je n'ai pas préparé à l'avance, mais les avalements haussiers, vous en avez souvent. Euh, tiens, voilà un autre. Voilà, là, et euh, même pour la... même si c'est encore une fois pas un backtest, mais regardez encore un autre ici, mais vous pouvez être certain que euh, il y aura toujours des fois où ça ne marchera pas, et pourquoi pas demain, mais en tout cas... Euh, si vous êtes des traders, on va dire entre guillemets systématiques, c'est-à-dire qui euh, agissaient toujours de la même manière dans des conditions euh, qui sont équivalentes et qui ont été backtestées, eh bien vous devez le prendre à la hausse. Il hein, n'y a, a pas de doute parce que vous pouvez être sûr que c'est le moment où vous allez finalement d'essayer de pas le prendre que le, le trade va fonctionner, qu'on va revenir aux statistiques habituelles. C'est comme ça. Hein. C'est euh, euh, régulièrement comme ça que l'on euh, d'ailleurs que l'on sape son propre moral en tout cas les bougies à se remettent dans le bon sens puisqu'on avait déjà eu hier une bougie verte encourageante ben voilà une nouvelle bougie verte encourageante je vous rappelle qu'une bougie verte s'en mèche pas ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts et puis regardez surtout suiland break ça y est un nouveau bloc supplémentaire et à ce niveau c'est vrai que euh, la, 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 la pertinence du suilin break n'est pas démentie, et c'est vrai qu'on avait vu également qu'après un premier bloc vert, eh bien, il était plausible que l'on ait d'autres euh, blocs verts plutôt que rouges, et finalement tout se passe conformément à ces statistiques-là. Vous allez toujours avoir des statistiques qui ont fonctionné et d'autres statistiques qui ne vont pas fonctionner, en tout cas celles-ci sont évidemment dans, dans, dans le vrai. Hein. Euh, vous avez tous les autres éléments également qui sont toujours haussiers. À savoir au niveau des moyennes mobiles, on savez que la tendance, euh, la moyenne mobile à 7 jours, euh, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours sont euh, ascendantes. On est au-dessus, donc la tendance générale, la tendance immédiate, la tendance de fond sont haussières. Alors, autre élément également à prendre en considération ce sont les bandes de Boeinger. On vient de faire un T1, c'est-à-dire que. Euh, aussi euh, provocateur que cela puisse paraître, je vous rappelle que lorsqu'on a un, 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 un T1 comme ça, c'est-à-dire que lorsque l'on clôture au-dessus de la bollinger supérieure, il est beaucoup plus probable que l'on clôture encore au-dessus de la bollinger supérieure euh, plutôt que euh, à l'intérieur des bandes de bollinger. Alors c'est vrai que ça ne s'est pas produit ici, mais ça s'est produit par exemple. Ici, ok, bon, statistiquement, c'est plus plausible que, que l'inverse en tout cas. Et c'est vrai que n'oubliez pas euh, qu'on avait un objectif qui avait été donné, ça remonte à trois semaines si ma mémoire est bonne. Achat. Avec un stop de protection équivalent à la Boinger inférieure ici, à 5%, on en est à 1,2. Mais là aussi, vous voyez, il est vrai que, à titre personnel, j'ai pris les paris baissiers parce que j'ai un biais au regard du fait qu'on soit sur une résistance trimestrielle. Mais tous ceux qui ont fait exactement l'inverse et qui ont pris tous les trades haussiers qu'on a backtestés, eh bien, ont été beaucoup plus heureux que moi. Et là, euh, petit aparté encore. Mais voilà, est-ce que je dois remettre en cause le fait que j'avais un biais baissier, pas à mon, pas à mon avis, hein, c'était euh, j'ai agi dans le sens des backtests et parce qu'on était sur une résistance tracée sur une ligne de temps supérieure, voilà, ça fonctionne généralement, ça n'a pas fonctionné ce fois-ci, mais en tout cas, ceux qui ont pris les trades haussiers correspondant au test haussier, eh bien, euh, n'ont eu euh, que euh, euh, à s'en réjouir, alors que, comme vous le savez, à titre personnel, les trades baissiers que j'ai engagés ne sont pas du tout euh, de même nature. Alors, on a également, on le sait, euh, les Lishimoku. Et l'Ishimoku il est toujours haussier également, puisque voilà, on est au-dessus de la M7, de la du nuage qui monte, on est au-dessus de la kijun qui monte, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance de fond, la tendance euh, générale, la tendance immédiate est haussière. On avait, je vous remonte simplement en données hebdomadaires. Euh, on avait, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais en tout cas, euh, on avait un objectif qui avait été déterminé par le twist du nuage, c'était il y a un mois de ça où je vous avais expliqué que statistiquement il était plausible que euh, ça aussi ça avait été backtesté hein, que l'on prenne la même distance entre le bas et le twist reporté par de là le twist ça c'est statistiquement avéré et vous voyez ça y est c'est fait hein. on a touché également à hein, cet objectif là donc vous voyez c'est pas c'est c'est pas comment dire c'est pas forcément ce qu'il y avait de, de plus crédible mais effectivement tous les backtests haussiers ont fonctionné et tout les backtests baissiers ont échoué et à un moment à un autre, voilà. Si vous avez un biais, il, euh, il faut assumer euh, les, les choix, même si vous agissez dans le sens des statistiques. Euh, ces biais peuvent, au bout d'un moment, eh bien, expliquer la différence entre une bonne séquence et une mauvaise séquence. Hein. Et euh, on va terminer donc avec les trades du joueur. Alors, si vous êtes haussier, voilà, si vous n'avez pas de biais en particulier, vous avez... Le, le, je vous explique la manière dont j'ai testé avec vous les, les, les avalements haussiers, on a backtesté testé ça récemment. L'idée c'est de prendre la différence entre les plus bas de, des deux bougies, donc 1,4 et viser au moins 1,4. Vous avez également la possibilité de backtester, on a, on a déjà backtesté ça, hein, d'acheter avec un stop de protection au niveau de la bollinger inférieure. On a vu que ça fonctionnait. Donc, stop de protection à 4,76 et viser au moins 4,76. Voilà. Et maintenant, si vous avez un biais baissier, ce qui est mon cas, et je n'en démoderai pas parce qu'encore une fois, statistiquement, on cale devant une résistance tracée sur une unité de temps supérieur. eh bien, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de spéculer à la baisse, mais vraiment, plus que jamais, avoir un... Un, une marge de manœuvre, hein, c'est un stop de protection large, 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 hein, voilà. euh, bah, en imaginant que vous envisagez de retourner sur le support hebdomadaire, parce qu'on n'a toujours pas fait notre throwback sur le support hebdo, on parle d'un objectif à 6,6%, donc, si vous mettez un stop de protection, voilà, même à 4,5, c'est un stop large, et eh bien, vous avez un ratio gain-risque qui est positif. Hein. Donc, euh, voilà, à vous de jouer. Je ne peux rien faire de plus que vous donner les backtests. Après, euh, chacun est euh, face à ses stats. Voilà. Le plus important, de toute manière, c'est ce que. Ah, j'ai toujours montré de baissier, d'ailleurs. Hein. Le troisième n'a pas été déclenché, puisque j'avais mis un stop à 3%. Je suis rentré ici, je crois, de mémoire, ou ici. Ah, c'est facile, hein, c'est sur mon blog de toute manière. J'avais un objectif à 3%. Bon, je pense que c'est... Ouais. Bon, je, je, je serais plus précis si vous êtes pressé à aller regarder dans, dans sur le blog. Objectif à 3%. Sans doute par là. Voilà, mettons. Et l'objectif et le stop de protection, il est à 3%. Donc on va dire à peu près ici. J'ai presque été déclenché, mais je ne l'ai pas encore été. Hein. Donc euh, peut-être pour demain, je ne sais pas, mais ça serait en tout cas le troisième trade perdant d'affilée dont on a vu que sur une série de 100 trades, voilà, euh, on a plus de 90% de chance que ça arrive. Hein. Excellente journée euh, revisionnez si vous n'avez pas bien compris la première partie de la vidéo. À mon avis, il y a beaucoup de chances pour que certains aient une révélation, en particulier si vous débutez et que vous n'êtes toujours pas euh, rentable, profitable. A demain pour la mise à.